Je m'appelle Yannick Le Guiner, je suis designer, intervenant extérieur ici à Croque-Jardin et un peu amoureux de ce jardin depuis la première fois que je l'ai découvert avec son animateur Jean. Et ça fait plusieurs fois que j'interviens pour produire ici et fabriquer des choses pour ce jardin, pour les jardiniers. Donc là c'est le stage de cuiseur solaire qui va se dérouler. C'est une pierre de plus que j'apporte à ce magnifique jardin. Alors, la difficulté dans cette opération, c'est de pouvoir fabriquer à plusieurs en même temps un objet assez technique. C'est un cuiseur solaire, donc il y a des mouvements, il y a des rotations, il y a des articulations. C'est pas donné à tout le monde. On n'a pas non plus un atelier géant. On est dans un jardin en extérieur. Donc il y a en fait un travail de préparation en amont qui va nous permettre de faire ça sur ces deux jours-là. Avec la difficulté supplémentaire qu'on a une source d'énergie limitée. Donc il faut répartir les opérations qui sont gourmandes en énergie, décalées dans le temps. Donc le cuiseur solaire, il y a différentes opérations, hein, du montage de la parabole, les pieds, le piétement, la structure, etc. Donc là, les quatre cuiseurs qui vont être fabriqués, ces opérations vont être distinctes et on va se les faire chevaucher dans le temps les opérations énergivores s'accumulent en même temps. Voilà. Et après, la difficulté c'est aussi du fait qu'on a du mal à mobiliser les gens au-delà de deux jours. Il a fallu préparer en amont la fabrication. C'est-à-dire qu'il y a des pièces qui ont été découpées numériquement, toutes les pièces techniques qui auraient demandé beaucoup de temps. Elles arrivent prédécoupées. Et on va faire la finition et l'assemblage, ce qui est déjà pas mal. Le format de l'opération demande une conception particulière de l'outil. Là, on est passé sur une structure bois pour des questions écologiques, mais aussi pratiques. Parce que le bois, c'est quelque chose qui est plus accessible en fabrication, par tout le monde. Hein, et s'il avait fallu avoir un atelier métal, on n'aurait pas pu. On a concilié un temps très court, de l'énergie disponible mais en faible quantité et pas en grosse quantité immédiatement. D'un point de vue pédagogique, les gens auront une feuille de route, donc un support papier, avec évidemment des explications complémentaires, mais à eux de au maximum se démerder ou de s'entraider. Voilà, je dirais que le formateur il est là pour débloquer les situations ou pour veiller à la sécurité ou pour donner un petit conseil en passant. Mais si tout se goupille bien, ça veut dire que je pourrais aller au bistrot boire un coup pendant que le stage se déroule tout seul. Voilà, bon, c'est schématique. Puisque l'idée c'est aussi que les gens s'approprient le savoir hein, qu'ils vont avoir. Donc une fois qu'ils auront vu comment fonctionne la machine, ils n'ont plus qu'à suivre et à faire. C'est le fonctionnement théorique idéal. Donc il y a l'utilisation de l'outil technique, hein, telle une défonceuse, qui est un outil de menuisier qui tourne vite, qui fait du bruit, qui est un peu impressionnant, mais qui permet de faire un travail très précis. Donc ça, c'est quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu impressionnant au départ. Après, on va travailler le bois, on va travailler du métal. Hein, donc on va percer, il y a différents savoir-faire qui vont être transmis. On va même travailler sur du plastique recyclé pour des pièces de liaison. Il y a un peu de tout, donc c'est assez varié. Et il faut pas traîner, c'est-à-dire qu'on a deux jours. Mais les séquences de travail doivent se succéder à un rythme assez soutenu. Parce qu'il y a beaucoup de travail, là, pas rien, pour faire ce cuiseur. Les opérations sont classées suivant deux critères. Le quart de journée, ça s'appelle un quart, K-A-R. Donc le foyer, par exemple, c'est deux quarts de journée, c'est la partie, ce qui est partie métallique. D'autres pièces sont un quart de journée. Deuxième critère, c'est l'énergie qu'elles demandent. Donc si j'utilise la défonceuse, j'ai besoin de beaucoup d'énergie. Donc je ne vais pas mener deux opérations conjointement qui consomment beaucoup d'énergie. Voilà, donc voilà comment s'organise le stage sur ces deux jours. Sachant que l'idée c'est aussi de s'entraider. Hein, donc on peut aller voir comment fait
le copain, comment il a fait cette opération-là avant, sur quelle galère il est tombé. Voilà. Pour parler de l'après, la phase d'usage, d'utilisation, il y a eu une phase en amont, c'est-à-dire qu'on a demandé aux gens à quel usage vous allez le destiner. Du coup, est-ce que c'est pour des grands groupes, des petits groupes? Parce que c'est la taille du cuiseur qui va changer. Le fait que ce soit un cuiseur pour de la sensibilisation qui doit bouger, on va privilégier une taille réduite, hein, c'est plus de la sensibilisation. Si c'est pour faire à manger pour des groupes, on va accentuer la taille. Après, ça va être adapté au lieu d'utilisation. Est-ce qu'il sera à l'abri dans un lieu fermé? Est-ce qu'il sera dehors sous une bâche? Est-ce qu'il sera sur un terrain complètement défoncé ou sur une dalle plane? Est-ce qu'il est tout près de son lieu où on le range? Est-ce qu'on a besoin de roulettes au contraire? Voilà, tout ça se prépare un peu en amont et ça va peut-être faire l'objet d'adaptation par ceux qui fabriqueront, mais après. En disant, ben voilà, pour vous, il faut adapter des roues, voilà comment vous allez faire. Enfin, bref. Ça, c'est ce qui peut se passer après. Et puis après, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est tous les échanges qu'il peut y avoir entre gens qui vont utiliser. Hein, on se base sur la base du savoir-faire qu'a Jean ici dans les jardins, qui va nous montrer les recettes et tout ce qu'on peut faire avec. L'idée, c'est qu'après, toutes les recettes s'échangent, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, comment t'as fait, est-ce qu'on peut utiliser la terre cuite, oui, mais voilà, ça sous forme de blog, en utilisant l'internet, on peut très rapidement avoir une source de savoir importante. C'est assez technique. Hein, donc ça demande de s'appliquer, d'être minutieux. Il y a pas mal de boulot, donc sur ces deux jours le rythme va être assez soutenu. Voilà. Après, l'idée c'est que vous repartiez vendredi soir avec soit un cuiseur de ce modèle-là en 140, soit un plus petit en 110. Soit les deux. Donc, soit les deux pour certains qui vont charbonner. Je vais vous proposer une organisation théorique du travail. Qui sera faite pour être remise en question, mais en même temps, on est un peu contraint déjà par le temps, mm-hmm. et puis par la consommation d'énergie des machines. Donc, en gros, il y a 5 étapes qui ne sont pas importantes chronologiquement. Hein. On peut commencer par la 5 et à la fin, c'est l'assemblage. Voilà, à la fin, c'est l'assemblage final qui va donner le truc. Alors. Pourquoi tes repères? C'est normal, parce qu'on va assembler les 4 quarts de cercle pour faire le cercle entier. Donc on va usiner sur la moitié, enlever la moitié pour qu'ils s'emboîtent l'un dans l'autre. D'accord. On attache là au serre-joint comme ça. Parce que là je suis dans le vide. Ouais, bah oui. On les a mis exprès comme ça pour voir. Oui, attends.
Non, mais toi. Et tombé entre les lattes. Alors nous passons en mode sobriété et nous utilisons donc la Peugeot, la vieille Peugeot, à entraînement humain. Voilà. Merci. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui, c'est ça ? À la fin, c'est plus dur. Voilà. Les gens vont le couder. Ouais. Ça aussi, c'est à la main, hein, mais ouais. C'est rigolo. Il y a beaucoup de perçages. Dans la marmite, dans les GN. Ça tient chaud, ça reste trop chaud. Thank you.
parce que Dominicard, parce qu'elle arrive au jardin. Tant qu'elle récupère mon rang. Oui. De la 140. D'accord. Au col. Col et cuisse. Col et cuisse. Voilà, on y va. Oh, magnifique. Ouais. Thank you.